Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture du calendrier de l'Avent numéro 11. Toujours avec Claudine et Sylvie, voilà, de la chaîne Sissi Créa. Mais par contre, j'ai découvert en fait dans le carton de Claudine que j'avais ça. Voilà, il n'y avait pas de numéro dessus, donc je pense que ça doit être un petit plus que j'avais pas ouvert en fait au début. Donc on va l'ouvrir, hein. Donc c'est une jolie boîte qu'elle nous a fait comme ceci, avec un vraiment, elle a super bien emballé. Et du coup, j'avais pas ouvert, j'avais pas vu. Je croyais que ça faisait partie du calendrier, mais je pense pas puisque il n'y a pas de numéro. Alors, je suis curieuse de savoir ce qu'il y a dedans. Donc déjà, ça fait du bruit. Hop, très jolie boîte en carton comme ça. Moi, c'est pas que je sais pas faire, c'est que tout ce qui est pliage, comme je vous ai déjà dit, moi j'ai un peu de mal avec ça, donc du coup voilà. Alors comme vous avez pu voir hier, j'ai réussi à mettre deux vidéos en une, donc je suis super contente. J'ai réussi à faire un mini montage. Oh, j'ai des pailles et tout dedans, cool. Alors nous avons, oula, plein de choses. Super, oh, une paille Halloween. Trop bien, je sais pas si vous allez le voir. Avec des petites chauves-souris dessus. Après, ben, on a des pailles vertes, roses et blanches. Une autre paille Halloween comme ça avec des fantômes. Trop super sympa. Et après, on en a des. Ah non, ça c'est des morceaux de bois par contre. Donc doré, noir. Et après, on en a une jaune. Super. Voilà, comme ceci. Alors j'en ai déjà au taquet, j'ai un pot qui est au taquet en haut, j'en ai plein. Donc ça va les rejoindre. Si ça rentre dedans, parce que je vous dis, mon pot il est tellement gros, enfin, il est tellement blindé, je ne sais même pas si ça va rentrer dedans. Bon, je mettrai après, parce que pour l'instant ça ne veut pas. Et elle m'a fait un joli parapluie, franchement il tue. Alors je pense pas qu'il s'ouvre. Ah, c'est sympa comme tout ça. Alors, elle a fait un parapluie comme ça. Vraiment, il est. Elle a mis une boule au bout. Alors, attendez, si j'éteins ça, vous aurez peut-être moins de reflets. Après, je rallume juste pour vous montrer en fait. Oh, vous voyez rien en fait. Il fait pas beau, alors je suis désolée, j'ai pas trop de luminosité. Il est juste magnifique. Il est vraiment super bien fait. Franchement, Claudine, chapeau. C'est super joli. En déco comme ça et tout, vraiment, c'est magnifique. Donc, c'était un des petits plus que j'avais pas ouvert. Et franchement, bonne surprise. Vraiment, ouais, super joli. Eh bien, je te remercie beaucoup, Claudine. Je l'avais pas vu, vous voyez. Je croyais que c'était un. Ça faisait partie du calendrier de l'Avent. Et donc non. Et par contre, le papier que tu as utilisé là, vraiment, j'adore, il est vraiment super beau. Je pense que je vais le garder, au moins récupérer des petites chutes là dans le papier à carreaux comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça, on garde tout, on garde tout. Vous voyez, mon bureau, je garde tellement que voilà. Donc là, j'ai ouvert le petit plus de Claudine. Donc on va ouvrir, ben, du coup, le petit paquet de Sylvie. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous aujourd'hui? Suspense. Il y a dans son calendrier de l'Avent aujourd'hui de Fimo avec carrément un moule en silicone. Alors franchement, ce calendrier de Fimo, je l'ai payé avec la réduction qu'ils avaient fait en novembre à Cultura, ben, que 21 euros. Ben, franchement, il vaut le coup, mais vraiment énormément, quoi. Parce que ben, là, rien que le petit moule en silicone, ça vaut dans les presque 6 euros. Elle a eu plein de pains de Fimo. Enfin bon, elle a eu plein de choses. Et vraiment, ça vaut vraiment le coup. Alors celui-là, il me dit quelque chose. Je dois l'avoir quelque part, mais où, je ne sais pas. Mais j'adore. Donc même si je l'ai, mais où, je ne sais pas où il est. Mais ça, alors c'est des stickers sur le thème de Paris. Alors, comment vous dire que voilà, j'adore. Alors je sais que j'en ai. On m'en avait offert, il me semble, mais voilà, je ne sais pas où. Donc on a les lampadaires, il y a marqué métro, I love Paris, Paris. Ça, le petit signe Champs-Élysées, le petit sac de shopping, la bouteille de vin avec le verre.
à consommer avec modération, hein, ça reste de l'alcool. Je le dis parce qu'on ne sait jamais maintenant, avec YouTube, avec tous les nouveaux trucs qu'ils nous font, une tasse de café sans modération, hein, parce qu'on en a toujours besoin. Après, le Moulin Rouge et voilà, la Tour Eiffel avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Franchement, c'est super. Je sais que je les ai, mais où, franchement, je ne sais pas. Donc, pour un, je sais pas, pour un thème Paris ou un... Voilà, si on fait un album sur le thème de Paris. Moi, je les adore. Merci beaucoup, Sissi. Et on a des embellissements en plâtre. Donc, Happy Birthday. Donc, sur le thème d'anniversaire, un petit chapeau. Alors, ça, je les avais achetés aussi à l'époque. Je crois que j'avais utilisé 2-3 bêtises dessus. Mais c'est toujours bien à avoir. Voilà. Pour des anniversaires. Et c'est super sympa. Merci beaucoup. J'adore. Ensuite, le numéro 11 de Claudine se présente comme ceci. Alors, c'est dur. C'est dur, c'est mou. Enfin, voilà, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça soit une créa. Après, il y en a un qui est énorme. Hein. Je sais que c'est un... Enfin, il me semble que ça doit être un tableau qu'elle a fait. Sûrement un mix média. Il me tarde de voir ce que c'est. Ouais, à la texture et à la forme. Hein. Je n'ai pas ouvert, attention. Mais il me semble que c'est ça. Alors, là par contre, ce n'est pas une créa aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça va être? Surprise, surprise. Alors déjà, je vois une plaque d'embossage. Ah oui, bah, elle a scotché. Elle fait comme moi, elle scotche sur les... Bon, allez, on arrache. Hein. C'est bientôt Noël, on arrache les papiers. Alors, donc nous avons une plaque d'embossage avec des feuilles. Alors ça là, je ne l'ai pas du tout. En même temps, je dis je l'ai pas du tout, mais c'est vrai que je m'utilise rarement ma Big Shot. Il faudrait que je la ressorte un petit peu. J'ai plein de dies, plein de plaques d'embossage. Et c'est vrai que ben, c'est tellement le bazar et sur mon bureau, j'ai pas la place de la mettre. Elle est tellement grosse que du coup, voilà, mais il faudrait que j'en utilise. Et là, donc, c'est une plaque d'embossage comme ceci avec les feuillages. Comme ça. Hop, voilà, elle est super grande et elle est super belle. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Claudine. Et ensuite, j'ai... Oh, mais mince, soyez pas. Ah, excellent, la présentation. En fait, j'ai genre une petite carte comme ça. Donc aujourd'hui, c'est double cadeau. Et j'ai des tampons avec les oiseaux. Et là, elle m'a mis une petite plaque... aimanté où les oiseaux sont collés dessus. C'est génial. Ah, franchement, t'as fait ça trop bien, quoi. Ah, l'idée, elle est bonne. Ah, c'est génial. Alors, donc, on a le dice de lui et le dice... Alors, en fait, ouais, il me semble que c'est ça. Hein. On a le dice... Le dice, c'est pour cet oiseau-là et pour cet oiseau-là. Les deux duos, en fait. C'est comme ça. Je n'ai pas assez de recul. Voilà. Super. Eh bien, super gâtée encore aujourd'hui, franchement. Super contente. C'est calendrier de l'avant. Voilà, c'est voilà. Ça nous met de bonne humeur dès le matin, quoi. Ça nous refait la journée, donc c'est super ce partage. Alors moi, j'espère que les filles, elles aiment ce que je leur ai fait aussi, parce que j'ai pas de nouvelles. Moi, pour autant, je fais des vidéos, donc je vois les vidéos de Sylvie, donc je sais que ça lui plaît. Par contre, Claudine, ben, je sais pas. J'ai pas de nouvelles, donc j'espère que ben, mes cadeaux lui plaisent aussi. Voilà, et moi, en tout cas, les filles, ça me plaît énormément. Chaque jour, je suis surprise et voilà, j'adore. Bon, sur cela, team, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et restez comme vous êtes. Bisous!